Bonsoir, c'est le vlog du dimanche soir. Youpi, c'est le dernier de l'année 2019. J'en fais pas souvent, mais là j'en fais un spécial car je veux faire le point sur les lives. Et oui, car nous avons commencé il y a quelques semaines ensemble des lives sur cette chaîne YouTube. Et on a même commencé des lives en direct, chaîne YouTube et page Facebook en simultané. Et oui, on n'arrête plus le progrès. J'ai découvert un outil qui me permet de faire les deux en même temps. Voilà, comme ça, je peux me cloner, comme Jean-Luc Mélenchon. Bon, moi, je ne fais pas de politique, je fais de la musique. Ça rime, mais ce n'est pas la même chose. Alors, je vais faire simplement le point parce qu'on a fait plusieurs essais. Le lundi, plus de live. J'ai commencé à en faire un sur les premiers pas à l'harmonica, mais finalement, j'ai quand même fait plus de 900 vidéos sur cette chaîne et 80% ou 90% d'entre elles, c'est sur l'harmonica. Donc, si tu as des questions à poser, il y a une playlist qui s'appelle 5 minutes pour vous répondre. Je te mets le lien en description de cette vidéo. Donc, 5 minutes pour vous répondre, ça répond à plein de questions sur l'harmonica. Si jamais tu as encore des questions à poser, tout à fait possible que tu aies encore des questions à poser, à ce moment-là, tu cliques sur le « i » comme invitation ici, là, ce qui fait que tu vas être redirigé sur une page où tu vas pouvoir me poser des questions en direct et moi, je te réponds dans les 24 heures. Okay? Et si ça nécessite une vidéo sur YouTube, je ferai la vidéo sur YouTube dans la playlist 5 minutes pour vous répondre. Donc, lundi, pas de live. Mardi non plus parce que je suis en agora avec les élèves de l'école internationale d'harmonica. Mercredi par contre, mercredi on se retrouve ici sur YouTube à 20h30 pour mercredi harmonie où je t'explique la mélodie, les accords, l'enchaînement entre les accords et comment tout ça fonctionne et on glisse progressivement vers l'harmonie jazz. Mais déjà on va voir les choses principales qui te permettent de comprendre comment on fait des chansons. Pourquoi est-ce qu'on retrouve tels accords, tels enchaînements dans les morceaux. Enfin, ça te permet de mieux connaître la musique, de pouvoir avoir des idées de composition ou d'arrangement si tu fais tes propres morceaux ou tes propres chansons, tes propres morceaux d'accompagnement, par exemple. Mais ça te permet aussi de mieux comprendre les morceaux que tu joues et donc de les retenir plus facilement. Quand on analyse quelque chose, on retient plus facilement. Donc ça, c'est mercredi, harmonie. Ensuite, jeudi. Alors, le jeudi soir, c'est de 20h à 20h. Alors, je vais mettre de 20h à 20h50. On va le faire en 50 minutes. Je pense que c'est suffisant. Donc, à partir de 20h, donc, c'est chanson. Donc, soit on écrit des paroles ensemble, soit on fait de la musique ensemble, soit on fait un peu les deux. L'idée, c'est de te donner des outils pour que tu puisses faire tes propres chansons, paroles et musique. Et donc, le vendredi, donc ça, c'est de 20h à 20h20. Donc, c'est juste 20 minutes. Donc c'est le live du vendredi soir sur l'harmonica blues. Je t'apprends à jouer une phrase de blues à l'harmonica. Ok, voilà, donc les lives, je répète, donc mercredi, en fait c'est simple, je vais y arriver. En fait c'est simple, c'est mercredi, jeudi, vendredi. Ok, donc mercredi harmonie, jeudi chanson, vendredi harmonica. Ok, voilà, et puis de temps en temps je te ferai une vidéo de vlog si j'ai d'autres nouvelles à t'annoncer. Pour le moment, je te souhaite donc de passer un excellent réveillon. Ne bois pas trop, hein, parce que si tu bois trop, tu vas t'endormir. Et on veut s'endormir un jour de réveillon, ça ne le fait pas. Bon, alors voilà, donc passe de bonnes fêtes. Et on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Armo Chopin et sur la page Facebook de l'école internationale d'harmonica pour ceux qui font de l'harmonica. Sur la page Facebook Acid Bertrand pour ceux qui préfèrent les chansons et sur la page Facebook Fais-toi plaisir en apprenant la musique pour ceux qui s'intéressent plus à l'harmonie. Voilà, voilà, allez, bonne fin de soirée, à très vite et encore bonne fête de fin d'année, bonne fin 2019. Éclate-toi, danse, joue de la musique. Ah, si tu joues de l'harmonica ou si tu chantes ou tu fais quelque chose de spécial en musique pour le réveillon du 31 décembre, envoie-moi la vidéo, je serai très heureux de voir ce que tu fais. Ok? Allez, bye!